Voilà, mbote, mbote, mbote na bino nyonso tout balandi ya ba chaîne na biso bozala ka ebele. Continuez de s'abonner, de partager, de liker, que ça la biso vraiment trop bien. Tout d'abord, je salue maman présidente Pauline Lumumba et puis na balandi nyonso tout ya ba chaîne na biso bozala ka ebele. Bon, continuez de partager, de liker, que ça la biso vraiment trop bien parce que tant vous partagez ka, vous likez ka, beaucoup montaka biso et ça la biso bien tout le monde a kenon bozo soutenir biso. Très chers abonnés, un mouvement rebelle est créé à partir de Zimbabwe. Place au Wapi, tout le monde participation à John Numbi, Katumbi, Kabila et certaines personnes. Balobinini, il faut raconter la Mbalamoro à travers Katanga. Donc, je vous informe déjà que notre Katanga est en danger. Tout le monde est au courant de cette émission. Et puis, il y a une révélation au Wapi ba M23, le Rwanda, ba Sali, par rapport à la situation à Makambo et Tali M23. Malgré tout, Bissola Soutou Yembi, et puis ton Bissola Soutou Mona, qui est notre vraie version, vraie réalité, Zali, le Rwanda. Mais en d'autres termes, le Rwanda est en train de nous rappeler, ou soit de nous dire que l'autre Uganda peut participer à plan Oyo. Uganda peut participer à plan Oyo. Dans les Nations Unies, le Rwanda, Nathan Labino, information en pour vous comprendre réellement. Balobi Boeba M23. Babi, notre mouvement. Mouvement du 23 mars n'est pas venu du Rwanda, mais de l'Ouganda. Tshisekedi doit corriger son narratif en désignant le patriarche Yoweri Kaguta Museveni comme principal soutien de l'Alliance Fleuve Congo. Moi, je le dis chaque jour. L'Ouganda n'a jamais été sincère. Malgré tout, c'est une révélation fausse. C'est une révélation pour nous désorienter. Mais en vrai dire, on devait rompre toute coopération tozana yangona Ouganda. Comment est-ce qu'on peut donner toute la confiance envers Ouganda alors que nous le savons très bien que l'Ouganda n'est pas Zabogo. On a vu la participation totale à Ouganda, tous les membres militaires. Au Bangali, dans le cadre de M23, au moins, on a balati batenir à Ouganda, balati batenir à UPDF, mais tous ont continué toujours à Zana Bango, tous ont continué toujours à collaborer à Bango. C'est la chose la plus grave que je n'ai jamais vue, je n'ai jamais entendue. Les pays qui nous massacrent, qui collaborent avec l'ennemi, mais toujours continuent toujours comme ça, n'aille pas. Toujours continuent toujours qu'on peut s'aille confiance. Bande Konanga, Boyoka Siko, Boyoka. Pourquoi est-ce que le M23 ont pu citer l'Ouganda? Déjà, vous allez comprendre, on a pas moi ou tu collègues, Ouganda, Ayaki na RDC. A l'obique, Nayeto renforcer ma position à Bissou. Naye to zongi sa ba position la biso parce que na yebite le loto lobby ba nani ba koyi ko menacer frontière na biso là c'était Ouganda tant ayek ala mabe la biso. Donc c'était une manière de nous faire dire déjà que de nous faire voir que non le loto lobby ba ko attaquer. Alors tant ba ko attaquer biso to betango kara to ndimate to kenebe to sala boite. Moi je l'ai toujours dit ici na ma chaîne na biso que non si réellement l'Ouganda, si réellement Museveni avait la confiance, ou soit il était sincère envers la République démocratique du Congo, Bounagan et Kangamana, Ouganda, on devait avoir la participation, le soutien de l'Ouganda, pour aider Bissot de faire une attaque à partir de l'Ouganda, dans Bounagan. Mais jusqu'à présent, vous remarquez, le M23 résiste, le M23 fait des vidéos. Et puis, chose grave, c'est qu'il y a tous les munitions, tous les ravitaillements. Écoute, il a reparti à Ouganda. Écoute, Ouganda, Ouganda, écoute, il m'a voir au Bounagana, Bounagana, c'est ravitaillé. Et puis, il m'a pris sa position, il y a M23.
Mais l'Ouganda vient ici au Congo nous dire que non, je suis sincère, je suis vraiment ceci, nazaliboye, 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 nazaliboye. Et puis nous, les Congolais qui nous sommes, tondimi ango facilement, t'accepter facilement, sans pourtant avoir l'idée que non, ce pays-là, il est frontière, il est frontalier avec, avec Bounagana. Mais comment est-ce qu'il n'arrive pas à nous aider à récupérer Bounagana? Si réellement Bango, Bazali contre tout ce qui se passe à l'est de la République. On devait comprendre, mais c'est le président de la République. On devait donner notre position à la face du monde. Parce que même la Chine, la Russie, si les lobes allaient la rage, la RDC n'a pas de position. Nako solana bino, minduki o nini to réceptionné. Minduki o to réceptionné. Boyoka. C'est trop grave, très cher Congolais. Place au Wapi. Rwanda a lobby boy. Si le processus, Bisso, na conseil des Nations Unies, boyoka marambe bima kikuna. Si le processus de Rwanda est bloqué, alors pourquoi nous maintenir dans le cessez-le-feu? Je l'avais dit que nous, vous nous faites perdre le temps dans vos trucs diplomatie. Arrêtez de plaire devant un petit Kagame pour nous humilier, nous humilier et mettez l'armée en guerre totale. Balobi a vu ce processus, il y a Luanda et a bloqué. Qui bloque le processus de Luanda, Paul Kagame? Ils ne veulent pas neutraliser le FDLR. Mais vous avez déjà compris que Paul Kagame est en train de bloquer, ou soit il a bloqué le processus de Luanda. Mais pourquoi encore rester sur les tendances et à cesser les faits? Pourquoi rester sur... Pourquoi maintenir la position de cesser les faits alors que vous nous avez dit que non, processus, il y a Luanda, il a bloqué et pas il y a Paul Kagame? On maintient le cessez-le-feu, pourquoi? C'est la question que je me pose. On ne devait pas maintenir la position de cessez-le-feu. On ne devait pas. Le processus est déjà bloqué. Paul Kagame a déjà bloqué le processus. Alors pourquoi on est toujours là à maintenir le cessez-le-feu, etc., etc.? Mais vous, on ne comprend pas, mesdames et messieurs, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui bloque les Congos pour se déclarer la guerre totale contre le Rwanda? Le lot de sous tout qu'on réceptionné Mindouki. Tout qu'on réceptionné Mindouki. Mais malgré tout réceptionné Mindouki, problème il n'a biso et dans nous Mindouki té. Problème il n'a biso les alliés que non, les armes qu'on est en train d'acheter, ils ont quoi agir té. Ils ont quoi agir té. On devait avoir des armes et voilà qu'on coincé directement l'ennemi. Et bien, on a bloqué directement l'ennemi. Non, et y a quand même la République démocratique du Congo, ils ont y a quand même, Mais en réalité, on ne fait rien. On ne fait rien avec ces armes. Les armes en question, tout le monde est en train de se faire. Tout le monde est Kagame continue toujours. Alors, Boyoka. Vive coopération Russie-RDC. Moscou vient de livrer à la RDC le système de la défense S-Kaitan. Ah, on est sur place où Wapi, Paul Kagame, M. Koyo, nous autres, pourquoi? Le processus de Luanda est bloqué. Mais nous, on est là, on continue toujours à respecter les cessez-le-feu, à respecter ceci, cela. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. La minute, il faut tous avoir décision, monsieur le président de la République. Il faut tous avoir décision. On doit faire tout boycotter, toute coopération, tout pour parler, nous, on se les canaux Luanda. Parce que Luanda, négocier avec les M23. La chose que non, Bissot, la RDC, toujours refusé, monsieur le président de la République. La Russie a aussi copié sa Bissot, système de défense S-Kaitan. Toujours, il y a un mot dans ma belle, la Bissot.
Mais le problème, c'est que non, même les armes que nous achetons, même les armes que nous réceptionnons, est-ce que nous allons les utiliser? Parce que dans une minute, oh, 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 problème est commis sur Bissau, dans Rwanda. Parce que la communauté internationale, il est incapable de gérer le problème de la République démocratique du Congo. Parce que la communauté internationale bazali complice, la communauté internationale bazali na plan moko bango nyonso tout. Si tu repères sa communauté internationale confiance, na des fois e ko kamisangai, na ko kamwa jusqu'à présent on continue toujours à faire la faire confiance à la communauté internationale, faire confiance. C'est pas possible. Très chers Congolais, un groupe rebelle créé à Zimbabwe, John Numbi, Hippolyte Kanembe Kazembere, na juif. Tandis que biso tovandi na Congo, tovandi na Kinshasa, on prend de la bière, tozo bina, tozo salaboué, je le dis toujours le même langage que non, moka ezo kukindi. Un groupe de personnes va vandi ba sangani. Ba le but non? Tout ça la complot, une nouvelle rébellion et ça salama, tout est salami déjà dans Zimbabwe. Eh! Parce que Moutou Yamande founera Zali Bongo, souci n'a pas la tout prix, renverser Tshisekedi pour que Yazon atteigne l'espace Wana. Ils ont créé un groupe rebelle dans Zimbabwe dans minute Oyo. Place au Wapi, d'après les informations, John Numbi aza na Zimbabwe. John Numbi aza na Zimbabwe. Parce que Mele ba koué batte John Numbi a Zalagawap, a Twitterawap, a Komarawap, n'a la zon kon informe mino lelo John Numbi a zan a Zimbabwe. Ba sali complot na bango ba créer un groupe rebelle na Zimbabwe, oh wapi e koué ko atterrir wapi na Katam. C'est pour cela moi j'alerte le général Eddy Kapen. Général Eddy Kapen, il est temps. Il est temps, je vous dis. Nous devons renforcer la sécurité dans Katia Katanga. On doit renforcer la sécurité dans O Katanga. Parce que dans l'Ir Makambezo Kendele, dans l'Ir Makambezo, ils ont comme planifié, il y a une chose qui va arriver au Wapito, vous allez la surprise. Et puis au moment où je vous parle, Nani Moïse Katumbi Chapwe, Azan aux États-Unis d'Amérique. Moïse Katumbi Chapwe aza na États-Unis d'Amérique. Tant que Bino, bozo beta, bozo loba, bozo salabe, bozo salabe, Moïse Katumbi Chapwe en ce moment, il est aux États-Unis d'Amérique. Il est parti faire quoi? Tozo loba. Pourquoi il a choisi seulement les États-Unis d'Amérique? Vous allez comprendre que Martin Fayoul a tenu aux États-Unis d'Amérique. Presse Peng est aux États-Unis d'Amérique. Moïse Katumbi n'est pas qu'il est aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi seulement aux États-Unis d'Amérique? Na France. Les États-Unis d'Amérique et la France, ce sont les deux pays, les deux États, où il y a la profondeur de la casse dans l'Italie, est de la République. Donc, bango soko yeli bango plan, y a qu'on neutraliser le Congo, y a qu'on violer le Congo, y a qu'on menacer le Congo, ils seront d'accord. Et surtout, son bamoni avantage na bango zali na kati, minere ko bima, makambebele ko salama, ils seront d'accord. C'est pour cela que vous remarquerez qu'il y a plusieurs opposants qui sont contre la République démocratique du Congo, bakendara États-Unis to France. États-Unis to France. États-Unis to France. Parce que ce sont les deux pays. Les deux pays, les deux États, Owa puis Bazali, Bazali à 100% na makambo Italie, est de la République. Na ba Londres, na ba Royaume-Uni. Moïse Katumbi akei na États-Unis. Na États-Unis kuna bakei bazo sala contre-attaque, bango sala contre-attaque. Ba sali groupe rebelle moko à partir ya Zimbabwe. Oyo wapi na kata groupe rebelle wana souci ezali nini? Ba terroriser Katanga Mubimba. Sko na kata ba groupe rebelle ana tanga ko terroriser Katanga. Souci na bango ezali nini suko en retour? Eke bango babi maloko la ba chef, hein, babi maloko ba chef, ba yaba lo baloko ande tigayote,
To apaiser situation, pour nous apaiser situation, il faut que nous soyons dans dialogue, il faut que nous soyons dans M23 pour que ma campagne soit le monde. Ma stratégie n'est pas tout le monde. Ma complot n'est pas tout le monde. Contre la République. Mais vous allez voir ces gens-là dire que non, nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais. Mais des Congolais n'a papier, mais pas des Congolais n'a maquila. Ils viennent ici, bazo manipuler biso, bazo corrompre biso, et puis biso toko tika bango calmement, toko loba elo kote, toko sala elo kote, alors que batouana nenge baza bongo, souci na bango a tout peu zalini. Congo, il faut les la neutraliser. Congo, il faut les la balkaniser. Le plan de balkanisation de la République démocratique du Congo, ils ont reposé dans ma boko yaba occidentaux, dans ma boko yaba opposition congolaise. Parce que l'opposition congolaise aujourd'hui, bazali a soif. Bazali a soifé de pouvoir. Souci na bango, bazali karaba vandara place, voilà, bape. Attends, ils sont au sein, que non va balkaniser Congo, ils sont d'accord. Bande konanga ya katanga. Bande konanga ba kasaye. Bon, mais maman, tu as toute déclaration politique, il y a ma politicien congolais. Parce que dans la minute, on est zaboui. Dans la rébellion, au Kremlin dans Zimbabwe, il y a sous forme locale la déclaration de guerre entre les Katangais et les Katsaïens. Tant que vous avez dit que les gens sont congolais, tu as même dans la déclaration, tu as dit que les gens sont congolais. Après, Bakolobani n'y a ôté à travers déclaration wana, ou à travers le loco, il y a un côté ici, non, c'est une rébellion où ils ont créé un wapi dans Zimbabwe. Dans quatre rébellions, il y a trois têtes d'affiche. Il y a Hippolyte, il y a Numbi, et puis il y a Juif. Les trois personnes wapi, ils ont créé une rébellion. Na Zimbabwe pour Eya Katam. Mais tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que soutenir na Katumbi. Donc le lot congolais a commis qu'on dit que soutenir étranger ou les a soutenir Ndekonaï. Baza qu'on s'est imposé contre la le changement de la constitution. Pourquoi? Parce que Bayebi, ceux qui ont l'obit de changer la constitution, ont changé certains articles de la constitution, bango wana nyo surtout ba étranger wana, ba kokoya. Le camp de Moïse Katumbi va tel mais la changement de constitution parce que bah yebi que le ceux qui va changer constitution Katumbi retirera même pas cause à la taille député dans Mbokao parce que tu relinga to verrouiller tous les postes clés à République démocratique du Congo pour que aucun étranger dans l'avenir bah il va les sous-cocotte na kata na kokota kuzoa sous pouvoir parce que na minute yo si nous regardons très bien. Vous allez comprendre que non, les étrangers aujourd'hui qui dirigent le Congo, c'est eux qui vendent la République démocratique du Congo. Kabila a vendu la RDC. Il voulait laisser la place à Moïse Katumbi, to Fayulu, to Mukwege, parce que Mukwege est le candidat de l'étranger, le candidat des Français, des Américains. Parce que Batouana bloque à Batouana, ce qui manque à Batouana, c'est qu'il pouvoir, mais peut-être déjà que Moïse allait la baptiser. C'est pour cela que vous remarquez, bah, on a bah, dire na bango, bazo lukandenge nyonso tu, ya kuwe banani ni ko protéger ba intérêt ya Rwanda, ko protéger Katumbi, ko protéger la communauté internationale. Mais biso tozo comprendre te. Boyoka. Na kati ya rébellion on va créer na Zimbabwe. John Numbi en fait partie. John Numbi va diriger la troupe. Juif, na Hippolyte Kanambi, bango de bazali à la tête, da bango bazali le rôle à phare. Tout ça, biti ezali nini. Congo, il faut ezala neutraliser. J'appelle et puis j'alerte le général Edi Kapene. Katanga est en danger. Katanga est en danger. Je le répète, Katanga est en danger. Si vous pensez que non, Batowana. Complot, bah ça, la raison de la complot, moi, quand juste quand même sous pour nous intimider, biso, pour intimider la population. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je vous dis.
Tout ça, la nyonso, tout est bah, pour renforcer la sécurité na ko katanga. Parce que na lire déjà ma kambo yoko kende. So ki to tiki ango, bongo, nous allons voir le Congo. Et bah, na soukouza la menace le sous ta katanga. Parce que katanga la boko mouna wana. So ki lelo, et komi loko la gomme. Et comme il menace le roi l'est de la République, nous allons beaucoup perdre. Parce que Baron va ciblera, va place Moromi, va aller ou sort Misat. Va ciblera Katanga, va ciblera pe Goma. Parce que Baébi qui a Katanga na Goma, ceux qui va neutraliser en haut, tout le monde a déjà drapeau de la République de Katanga. Tout le monde a drapeau de la République de Kiev et de Goma. Donc, il y a déjà que ceux qui les espaces ou bango va se maintenir, ango va saisir, ango va lancer la mort balkanisation. Depuis longtemps, ils ont cherché à faire la sécession katangaise. Parce qu'au moment où on est, ango va moni ango une opportunité pour en profiter. Et puis John Numbi à la tête, Juif, naï mutamandev. On devait tout faire pour sécuriser, protéger les intérêts de la République démocratique du Congo. Monsieur le président de la République, le pays est en train de partir. Protégeons la RDC. On ne doit pas continuer à regarder ces gens-là. On ne doit pas continuer à regarder toutes ces personnes-là en train de créer des stratégies pour déstabiliser le Congo et que Bissot peut vendre au Talabango. Non. Merci de nous avoir suivis, très chers abonnés. Vous étiez très nombreux en train de nous suivre à travers cette émission. Vous partagez, vous likez. Et que ça, la vie soit vraiment trop bien. Zambia, Batela, Pambola, Tokutani, Mbalasima.